La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Que chacun dispose son cœur à la présence du Seigneur. Et je vous invite à bien vouloir vous lever pour chanter au spontané numéro 1. Pour cet immense bonheur. Ensemble, nous prions. Oui, Éternel, nous voici dans ta maison pour nous mettre à ton écoute ce matin. Donne-nous ton Esprit Saint et fais silence dans nos cœurs, afin que rien ne vienne nous distraire de ce temps de la communion avec toi. Reçois-nous dans ta présence et fais-nous entendre ta parole. Oui, parle, Éternel, tes serviteurs écoutent. Et nous poursuivons notre louange avec le chant indiqué numéro 1, le psaume 24. La terre au Seigneur appartient, c'est à la page 50, première à quatrième strophe. Élevez-vous jusqu'au ciel.
Nous laissons Dieu sonder nos cœurs et nos esprits avec cette parabole de Jésus en Matthieu chapitre 13. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, leur dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Nous laissons résonner ces paroles en nous en chantant le spontané numéro 2. Ensemble, nous prions. Oui, Éternel, nous reconnaissons bien nos cœurs et nos vies dans cette parabole de l'ivraie. En nous se mélange le bon grain de ta parole et de ton royaume et les mauvaises herbes de nos fautes et de nos manquements. Nos cœurs sont partagés entre la lumière et les ténèbres, entre le désir d'une vie saine et spirituelle et la sottise de notre égocentrisme. Prends patience envers nous et convertis nos cœurs. Apaise-nous et accorde-nous la grâce de porter du fruit. Renouvelle en nous un cœur libre et un esprit bien disposé. C'est au nom du Christ Jésus qui nous conduit vers toi que nous te le demandons. Amen. Numéro 3. Et nous nous levons pour entendre les paroles de grâce. Elles nous viennent de l'Évangile selon Luc au chapitre 6. Jésus déclare : Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde,
car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Elle est belle, cette image de la grâce que Jésus nous donne ici. Nous sommes renvoyés sur ces marchés dans l'Antiquité avec les vendeurs de grains. Certains vendaient à la limite leurs grains, peut-être même avec un peu moins dans la mesure. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu donne, nous dit Jésus. Quand Dieu donne, il nous donne en abondance, comme cette mesure de grains que l'on secoue pour qu'elle soit bien pleine, même qui déborde. Voilà comment Dieu nous aime. Il ne nous aime pas à la limite, il ne nous aime pas en déficit, il ne nous aime pas avec restriction, mais il nous aime d'une manière qui déborde. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile et nous la chantons avec le spontané numéro 4. De bien vouloir s'approcher. Et nous avons deux lecteurs donc aujourd'hui pour se partager les textes. Trois, formidable, ça tombe bien, c'est ce que j'avais demandé. Et ensemble, nous demandons à Dieu de nous donner son Esprit Saint. Oui, Éternel, nous te prions pour que tu renouvelles nos vies, pour que tu les rendes claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous habite. Et pour tout cela, nous te demandons l'Esprit, ton Esprit, qui conduit dans ta vérité. Oui, parle, Éternel, tes serviteurs, écoute. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement, en parabole. Il disait « Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi des épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils donnèrent du fruit, un cent, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Nous sommes en train de lire dans Matthieu 13, versets 1 à 23. Donc, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous attendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles
ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leur oreille, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Et ensemble, nous chantons le cantique 2204 à la page 260. Ô parle-moi, Seigneur, je vous invite à bien vouloir vous lever. 2204. Sommes-nous chrétiens ? Nous sommes chrétiens, chrétiennes,
Parce que le royaume de Dieu nous a un jour touchés d'une manière ou d'une autre. Le plus souvent, au travers des paroles et des idées que brasse la Bible, quelquefois pour la joie, la paix, la fraternité que l'Église nous a apportée à un moment de notre vie. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, oui, mais voilà, il se trouve qu'avec les années, les paroles du royaume ne nous font plus parfois grand-chose, plus ni chaud ni froid. Nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, mais voilà que l'Église ne nous apporte plus toujours ce qu'elle nous apportait jadis. Comment se fait-il que la parole de l'Évangile qui nous a touchés, parfois bouleversés, puisse maintenant ne plus nous parler? Comment peut-elle parfois ne plus rien nous apporter? Et pourquoi notre vie chrétienne peut être si tiède et sans passion? Pourquoi l'Église ne nous intéresse-t-elle plus ou de moins en moins? La parabole du semeur répond manifestement à ces interrogations. Nous avons l'habitude, certes, d'interpréter cette parole de façon limitative, c'est-à-dire comme si elle se restreignait à mettre en lumière quatre types de cœurs, ou plutôt quatre types d'individus, face à l'annonce de l'Évangile. Il y aurait ainsi l'endurci, qui ne laisse pas pénétrer la bonne semence de l'Évangile dans son cœur, celui dont le cœur est superficiel et qui, à l'exemple du terrain pierreux, que la graine ne peut pas pénétrer, manque de profondeur. Il y aurait celui dont le cœur est envahi, comme peut l'être un terrain broussailleux qui étouffe par ses ronces la croissance de la bonne semence. Et enfin, il y aurait celui dont le cœur est bien disposé à recevoir la semence du royaume et qui devient chrétien. C'est ici l'interprétation la plus classique de la parabole du semeur, puisque c'est celle que les synoptiques eux-mêmes mettent à quelques différences près sur les lèvres de Jésus au moment où il explique la parabole à ses disciples. Se pourrait-il cependant que les quatre terrains et leur description se rapportent aussi aux croyants en lesquels la parole du royaume est loin de porter à chaque semis 160 ou 30 grains? Deux éléments m'incitent à le penser. Premièrement, le contexte de la parabole du semeur montre que Jésus s'adresse non à des incroyants, mais il s'adresse bel et bien à des croyants, aux fils d'Israël d'alors, qui pratiquaient la loi de Moïse. Jésus constate que beaucoup de ses auditeurs, qui précisément lisent Moïse et les prophètes, célèbrent le Shabbat, prient dans les synagogues ou au temple, reste cependant hermétique aux paroles du royaume qu'il sème. Deuxièmement, et c'est l'hypothèse que le Jésus des synoptiques propose au verset 15 pour expliquer cet hermétisme, les croyants en question auxquels il annonce le royaume se bouchent les oreilles, ils se ferment les yeux de peur d'entendre et de voir. D'où la stratégie de Jésus de leur parler en parabole pour les pousser à réfléchir. Éclairés donc par ces deux éléments de l'histoire et du texte, il me paraît légitime de considérer que la parabole du semeur décrit non pas quatre types d'individus différents, mais bien quatre états du cœur que croyants et incroyants
peuvent expérimenter face à l'annonce de l'Évangile, et cela de façon successive et dans n'importe quel ordre. La première chose à élucider pour avancer sur cette piste, dans cette réflexion, c'est de relever que, effectivement, nul d'entre nous n'est égal à lui-même dans la réception des paroles ou des événements qui nous surviennent. Le stress, les soucis, l'inquiétude, la fatigue, les préjugés influencent notre façon de recevoir la parole des autres et bien sûr la parole du royaume, influencent notre façon de recevoir et de comprendre. Combien de fois, par exemple, regrettons-nous de nous être laissés emporter par l'irritation ou par la mauvaise humeur, simplement parce que nous n'étions pas au mieux de notre forme? Combien de fois avons-nous constaté que nos réactions ou notre façon d'écouter étaient conditionnées ou parasitées par nos fatigues, par nos soucis? C'est une évidence. Le stress, les soucis, la fatigue, les préjugés que nous forgeons sur les autres, la médisance influence notre capacité d'écouter, de comprendre et de recevoir. Sans être particulièrement schizophrène ou lunatique, notre façon de recevoir les paroles qu'on nous adresse diffère en fonction de nos dispositions intérieures. Et cette vérité s'applique bien entendu aux paroles du royaume lorsque ces paroles nous sont adressées. Nous ne recevons pas toujours cette parole du royaume avec les mêmes dispositions, avec la même sérénité. C'est ce que veut illustrer la parabole du semeur. En effet, elle met en scène le fait que notre façon d'entendre la parole du royaume peut ressembler soit à la terre battue et durcie d'un chemin terreux, un chemin de traverse, soit à la terre superficielle d'un terrain pierreux, soit à la terre partagée d'un terrain broussailleux, et Dieu merci, aussi à la bonne terre du bon terrain qui porte du fruit. Filons ensemble la métaphore que nous propose la parabole du semeur. Il arrive en effet que notre cœur s'endurcisse comme la terre battue d'un chemin de traverse, une terre durcie. Les difficultés de la vie n'y sont pas pour rien. Les déceptions que nous affrontons dans notre entourage, au sein de l'Église, dans notre environnement professionnel, la souffrance morale, les deuils, les épreuves, la nostalgie et ces jugements dans lesquels nous nous enfermons et dans lesquels nous enfermons les autres. Oui, tous ces états d'âme alourdissent nos cœurs et finissent par nous rendre durs, nous rendre insensibles, nous rendre sourds, aveugles, au point que la parole du royaume de Dieu ne pénètre pas dans notre cœur, parce qu'il est trop endurci par tous ces états d'âme. La parole du royaume ne pénètre pas dans un cœur qui est endurci. Nous l'écoutons, nous la lisons, mais nous restons sourds à ses interpellations, aveugles à sa lumière, en état de sécheresse spirituelle. D'autres fois, et c'est le deuxième cas de figure, c'est au terrain pierreux de la parabole que notre réception des paroles du royaume ressemble. Nous recevons avec joie l'Évangile, par exemple le dimanche matin. Sa lumière nous éclaire, nous goûtons ses hautes vérités. Mais la joie ne dure pas, parce que nous recevons cet évangile de façon superficielle, c'est-à-dire d'une manière distraite, non impliquée, ou pour nous justifier dans nos choix, dans nos croyances,
dans nos orientations, mais non pour nous mettre à l'écoute du royaume qui nous parle. La parole ne pénètre pas dans notre cœur parce que la place est prise par ces pierres, cette rocaille de la parabole, qui forme une carapace au-dessus de la bonne terre. Que symbolisent ces pierres, cette rocaille? Sinon, les choses matérielles ou mondaines que nous entassons dans nos vies et qui prennent toute la place. Nous n'avons plus de place, plus de temps, plus d'espace pour entretenir notre jardin spirituel. Alors les choses mondaines et matérielles s'accumulent. Tout se passe comme si nous n'avions plus de temps que pour notre travail, nos distractions, nos passions, nos idoles. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous encourage à chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes choses en plus. Parce que si nous inversons, et c'est ce que nous faisons en général chacun et chacune dans nos vies, quand nous inversons, quand nous cherchons d'abord ce qu'il y a en plus, alors il n'y a plus de place pour le royaume. Donc Jésus propose de renverser la logique, de chercher d'abord le royaume et toute chose en plus. Au moins on est sûr comme cela d'avoir une place pour le royaume dans notre vie. Si nous cherchons tout ce qui est en plus, nous n'aurons jamais de place pour le royaume. Troisième exemple de la parabole, d'autres fois, nous recevons la parole du royaume dans un cœur semblable à un terrain broussailleux. C'est-à-dire, nous dit Jésus, dans son explication un peu plus loin, dans un cœur en lequel les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Notez bien qu'il ne s'agit pas ici des soucis et des inquiétudes légitimes concernant nos besoins fondamentaux et même parfois notre intégrité physique ou morale ou celle de nos proches. Non, ce que la parabole pointe et stigmatise sous les termes « soucis du monde », c'est, nous dit le texte lui-même, la séduction des richesses qui étouffe la parole du royaume et la rende infructueuse. La séduction des richesses, ou pour parler comme les prophètes bibliques et l'Évangile, l'attrait presque irrésistible qu'exerce sur nous la promesse d'abondance, de jouissance, de pouvoir que l'argent nous fait miroiter. Pourquoi est-ce que l'argent a autant de pouvoir sur nous, autant de séduction sur nous? Eh bien, c'est parce que nous sommes nus et affamés et qu'il faut bien nous vêtir et nous nourrir. Mammon l'emporte toujours sur Dieu à cause de nos besoins fondamentaux, parce que nous allons tout nus, sinon, et parce que nous sommes affamés. La séduction des richesses, représentée par ces ronces qui finissent par étouffer les bonnes graines qui ne demandent qu'à pousser. Enfin, bonne nouvelle de la parabole du semeur, quatrième cas de figure, nous recevons aussi, Dieu merci, de temps à autre, la parole avec un cœur et avec un esprit réceptif, disponible. Et là, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est dire combien est féconde la parole du royaume lorsqu'elle entre dans nos cœurs, lorsque nous la laissons pénétrer dans notre être. Alors, que conclure de cette métaphore, de cette parabole du semeur, qui dévoile nos fonctionnements les plus secrets? Eh bien, cette parabole nous rappelle que nous ne sommes pas égaux, effectivement, d'un jour à l'autre, dans notre façon d'écouter, dans notre façon de recevoir la parole du royaume, et nous devons en être conscients. Nous devons savoir qu'effectivement, nous ne sommes pas égaux dans notre façon d'écouter et de recevoir la parole des autres et la parole de Dieu. Mais cette parabole nous dit aussi qu'il faut savoir veiller sur nos dispositions intérieures, précisément,
qu'il faut agir, qu'il faut essayer d'agir dans notre vie sur ce qui peut empêcher la parole du royaume de pénétrer profondément. Il y a un travail à accomplir sur soi. Peut-être que trop souvent, nous laissons l'idée que c'est le Saint-Esprit qui doit retirer les pierres de notre jardin secret, arracher les ronces, biner pour que la graine de la bonne semence de la parole grandisse en nous. Peut-être que nous avons trop tendance, nous protestants, à laisser tout faire au Saint-Esprit, à la grâce. Eh bien, la parabole, elle, de Jésus, semble nous dire qu'il y a aussi une participation de notre part, qu'il y a aussi un travail que nous devons, que nous pouvons accomplir, qu'il y a une discipline, une ascèse, une sagesse à acquérir pour participer, pour être coopérant avec Dieu. Si nous observons en nous-mêmes que la parole du royaume ne nous fait plus ni chaud ni froid, qu'elle ne nous fait plus faire d'expériences de pensée qui nous transportent, si nous observons que nous sommes devenus durs à l'égard des autres, insensibles, sans concession, sans bienveillance, si l'esprit de jugement ou de la propre justice domine en nous, que l'Évangile produise peu de fruits dans notre vie, alors, mes frères et sœurs, soyons certains qu'il y a là des symptômes, que nous devrions regarder ces symptômes, en être avertis. En effet, ces symptômes témoignent qu'il y a en nous, probablement, une maladie spirituelle à guérir, une thérapie spirituelle à entamer. Il y a de l'endurcissement dans notre cœur, devenu semblable à un chemin de traverse. Ou bien un cœur trop encombré par trop de choses qui ne laissent plus pénétrer la parole. Ou encore que nous nous sommes laissés prendre à la séduction des richesses parce que nous sommes nus et affamés. Faire le diagnostic est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi trouver des solutions. Il est regrettable dans le christianisme occidental, et tout particulièrement dans notre protestantisme, que nous ayons laissé de côté la notion de soins spirituels et l'objectif du développement personnel intérieur. Les religions et les sagesses de l'âme, nous leur avons laissé un boulevard. Nous leur avons laissé un boulevard, notamment en raison de leur enseignement sur le développement de l'esprit intérieur, ou encore par leur technique de relaxation et de conscience épurée, la pleine conscience. Certains gourous indiens communiquent d'ailleurs aujourd'hui sur cette thématique de l'ingénierie spirituelle, avec des résultats, il faut le dire, plutôt fumeux et parfois délirants. Les églises d'Orient, les églises orthodoxes, ont su, elles, conserver une pastorale des maladies spirituelles et de leur guérison. Tout simplement parce que la Bible et l'Évangile nous communiquent une certaine vision de l'humain et de ce qui peut faire obstruction à son épanouissement intérieur. Il est grand temps que les pasteurs et les fidèles de nos églises retrouvent l'enseignement biblique sur le développement spirituel et sur ce qui y fait échec, et voir comment on peut progresser, comment on peut essayer de retirer les pierres, d'arracher les mauvaises ronces, de biner, de racler, afin que la bonne parole du royaume pénètre dans nos cœurs et qu'elle nous fasse porter du fruit pour le royaume des cieux qui s'est approché en Jésus-Christ. Il n'y a de fatalité à vivre une vie spirituelle desséchante, encombrée, envahie, sans joie, sans transport, que pour celles et ceux qui pensent qu'il y a là de la fatalité. Mais il n'y a pas de fatalité à vivre une vie spirituelle desséchante ou desséchée. C'est en se retroussant les manches spirituelles avec le Saint-Esprit
qu'un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende, dit le Seigneur. Amen. Je vous propose de bien vouloir vous lever pour chanter le 45-06 à la page 685. Ô Jésus, mon frère, 45-06. Jésus, mon frère et mon roi.
Et voici les mots que je vous propose de faire nôtres ce matin pour dire notre foi. Chrétien, chrétienne, que crois-tu ? Je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et qui nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et frère. Il révèle le Père et établit la nouvelle alliance qui nous fait enfants de Dieu. En lui, nous avons le pardon, l'espérance et l'amour. Je crois que Dieu est esprit. Il demeure en notre esprit et il nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par l'Évangile et il nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois au royaume de Dieu comme horizon des hommes et comme espérance qui donne du sens au présent, au passé et au futur. Amen. Ensemble, nous chantons le spontané numéro 5. Eh bien, voici le temps des offrandes. Alors, vous savez, il y a un panier électronique. Vous levez la main et il y a les poches qui passent entre vous. Pendant que vous réfléchissez, une petite annonce: à la sortie du culte, il y a la vente de gâteaux des éclaireurs unionistes. Voilà. Merci.
Bonjour, on est les éclaireurs de Batignolles et on vient juste pour vous dire qu'on fait une vente de gâteaux en bas à la sortie du culte pour organiser notre week-end d'équipe et avoir de l'argent pour faire. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il ne va pas falloir un jour trouver un format un petit peu précis pour les annonces. C'est des fois un petit peu découpé en morceaux. Je vous prie de nous en excuser, mais c'est ainsi. Alors, quelques rappels. Le groupe de prière mensuel se réunit lundi qui vient, 19h-20h15, mais c'est sur votre feuille. Il ne faut pas hésiter à y venir, même si ce n'est pas forcément régulier. La chorale en est ainsi tous les mardis aussi. Et vous avez une liste de cultes, en particulier le culte du vendredi 7 avril, à mettre dans vos tablettes. Nous remercions bien évidemment aujourd'hui Bruno Godelet, notre futur pasteur dans quelques mois, Loïc qui est à l'orgue, et d'autres qui ont permis à ce culte d'exister aujourd'hui. De même, j'ai envie de dire... Nous nous remercions de notre présence ensemble. Amen. Nous sommes venus ce matin pour méditer la parole, pour chanter, et nous sommes aussi venus pour prier. Et je vous invite à bien vouloir vous lever pour le temps de l'intercession. Oui, Éternel, nous sommes entrés dans ce temple pour te parler. Et c'est ce que nous faisons depuis le début, au travers de la liturgie. Dans nos cœurs, dans le secret de nos cœurs, nous t'avons déjà présenté tant de choses, de sujets, de fardeaux. Et ensemble, nous voulons te dire qu'effectivement, comme les disciples, nous avons du mal à prier. Nous ne savons pas prier. Prier, parfois, nous semble tellement dérisoire. Face au flot des mauvaises nouvelles qui nous surviennent chaque jour, nos cœurs s'endurcissent. Tant de choses nous paraissent révoltantes, anormales, injustes ou même horribles. Que devons-nous te demander? Comment devons-nous prier? Viens toi-même apaiser nos cœurs et nous apprendre à te parler dans cette sincérité, cette simplicité, comme un enfant avec son père ou sa mère. Oui, toi qui es lumière, viens illuminer nos cœurs et nos vies, nos esprits. Aide-nous à marcher dans la clarté avec toi. Fais-nous progresser dans l'humanité authentique telle qu'elle se dévoile au travers du Christ Jésus. Et façonne-nous à ta ressemblance. La voilà notre prière ce matin. Fais-nous progresser. Nous voulons aussi te demander d'être auprès de celles et ceux que nous portons dans nos cœurs. Fortifie-les et relève-les s'ils sont tombés. Donne-nous d'être auprès de tous ceux que nous rencontrons, comme auprès de celles et ceux que tu nous confies, des témoins de ton évangile, de ta présence. Donne-nous d'être des aides véritables. C'est au nom du Christ Jésus qui nous conduit à toi que nous te demandons tout cela et que nous te disons, comme il nous l'a enseigné pour résumer toutes nos demandes, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons nos chemins en gardant au fond de nos cœurs ce que nous avons médité. Réfléchissons ce soir à cette parole qui nous a été annoncée. Et que ses mains d'homme soient pour nous tous et pour nous toutes le signe de sa présence et de sa bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de son esprit. Amen. Et nous nous séparons, je crois, avec le chant numéro 5, le 36-03. Nous chanterons pour toi, Seigneur, c'est à la page 500. Nous chanterons la première, la quatrième et la quinzième strophe. 36-03, 1-4-15. Tiercé gagnant. Fait revivre que